Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Sabi 22. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto sur l'apprentissage de Google Forms. Alors, voici comment nous allons procéder pour faire la première étape. Si vous avez un Google, un Safari, comme site explorateur web ou autre application qui vous permet tout simplement pour aller faire des recherches sur Internet, c'est faisable. Première étape, nous allons chercher votre explorateur Internet. Comme moi, c'est Safari. Nous allons cliquer sur une nouvelle fenêtre. Chercher. G-G-L-E. Google. Par la suite, nous tapons le mot « forme ». Comme vous voyez par ici. Un coup que vous l'avez trouvé, vous pouvez cliquer soit sur « Google questionnaire » tout de suite, soit que vous pouvez tout simplement cliquer ici. « Google Forms » permet de créer des questionnaires. Généralement, il est tout après l'annonce. C'est super facile. Sinon, vous pouvez regarder ici, c'est ce petit pictogramme mauve avec trois petits ronds et trois rectangles. C'est un outil indispensable pour travailler. Alors, aujourd'hui, nous allons créer un petit formulaire de qualité, comme Google vous dit. Alors, nous allons accéder à Google par la suite. J'en ai déjà créé plusieurs, mais aujourd'hui, je vais partir avec un vide et je vais vous montrer ça, comment nous faisons. Ah oui, ne pas oublier, c'est très important aussi d'avoir déjà un compte avec Google aussi. Alors, comme sur la chaîne Sabi 22, nous aimons énormément le mauve. C'est pour cela que dans mes applications de base, mais peut-être pour tout le monde aussi, mais on peut modifier les couleurs. Comme moi, mon thème, ma préférence, c'est le mauve. Alors, je vais juste enlever. Vous pouvez avoir du rouge, du orange, du vert, du bleu turquoise, gris et vert. Ce sont des couleurs. Alors, par exemple, si moi j'aime la couleur rouge, le bleu et puis le vert foncé. Fait que là, vous avez un échange. Par la suite, nous avons aussi des couleurs d'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est ce que vous voyez comme fond qui est en train de changer présentement. Alors, on va aller dans l'orange, vous allez pouvoir observer tous les tons. Mais pour moi, ça va être dans ce format-là. D'ailleurs, nous avons les styles de police de plusieurs manières que vous pouvez l'utiliser. Par la suite, on peut faire une en-tête, choisir une image. Alors, si vous dites, moi, c'est comme ça, comme en-tête que vous aimez, des bulles pour faire l'univers ou la planète. Ça peut être vraiment spécial aussi. Vous pouvez aller dans les anniversaires, dans les illustrations, on peut importer nous-mêmes et nos photos. On peut faire des soirées. On a beaucoup de thèmes, tout dépendamment qu'est-ce que vous voulez choisir. Alors, pour moi, c'est un... Je veux représenter un univers d'immigration culturelle. Peut-être le toucher de la main. Non, ça c'est musique piano, c'est pas bon. Fête, mariage, soirée, voyage. Peut-être le voyage. Interculturel, non. Ah. On pourrait mettre ça. Interculturel. Pourquoi? Parce que le thème, c'est vraiment les gens qui sont tout entourés. Alors. F majuscule. Ça sera. Un son d'âge sur
l'ouverture culturelle. Description. Rejoindre les gens de multiculturalisme. Alors, ici, la première question. Vous allez pouvoir écrire, mettons, la culture québécoise approuve-t-il les autres cultures? Oui, il y a possiblement des fautes, mais pour l'instant, mon but, c'est que j'essaye. Fait que là, on peut avoir l'option « oui », puis ici, une autre option « non ». Puis on peut rajouter, mettons, « peut-être ». Choix multiple. Non. Moi, ce que je veux, ça ne soit pas un choix multiple. J'aimerais ça que ça soit... Non, c'est pas un choix multiple, c'est une liste. Fait que ce soit oui, non, peut-être. En échelle, non. Puis ici, ben, vous pouvez écrire votre réponse. Fait qu'ici, on pourrait déjà partir avec le choix. Je pense oui, non et peut-être. Alors ici, vous pouvez cocher. On peut mettre une image, si vous voulez, un appareil. Tac, vous pouvez mettre un lien, comme vous voyez. Après ça, vous pouvez soit rendre votre publication obligatoire ou non obligatoire. Vous pouvez dupliquer encore si c'est pour la même... Ça va un peu plus vite. Alors, voici. Après ça, nous avons trois petits points. La description, c'est, mettons, ça serait comment décrivez-vous la culture québécoise avec les autres cultures? Par exemple, là, c'est juste c'est pas un vrai sondage que je vous montre. C'est un faux, c'est juste des exemples qu'on fait pour que quand vous allez pouvoir attaquer votre sondage ou votre formulaire, vous allez être en mesure de pouvoir le créer comme que bon vous semble. Mais pour moi, c'est comme ça que je crée pour vous montrer la démonstration. Alors, on peut faire accéder à une section en fonction de la réponse aussi. On peut trier les options en mode aléatoire, comme vous pouvez aller voir. Par la suite, ici... Ça serait pour ou contre la langue anglaise, anglais au Québec. Puis on pourrait faire une liste à cocher. Là, on peut faire encore dupliquer ici. Puis ça serait. Êtes-vous en mesure de socialiser avec les immigrants au Québec? Selon vous, est-ce que c'est facile? Une question. Facile? Compliqué ou c'est difficile? Obligatoire.
Alors là, un coup qu'on a fait ça, on aurait des réponses que, admettons, que vous avez créées. Fait que les réponses, ils vont venir ici. Alors, le site web que vous avez fait, la personne qui sera responsable va pouvoir voir toutes les réponses du formulaire que vous, de questions que les gens auraient répondu. Par la suite, tu aurais un paramètre qui te permettrait tout simplement de convertir en questionnaire. Fait que les réponses, vous pouvez faire des représentations. Par exemple, vous dites, OK, il va y avoir un message qui va être envoyé. C'est vraiment simple pour faire le formulaire. Désolée. Des fois, je déparle. Ici, vous pouvez écrire le nom du formulaire. Oups. Bon. C'est pas grave. Alors, celui-là aujourd'hui, c'est celui-là. Formulaire sans titre. J'ai mis une étoile parce que je vais activer un suivi qui est quand même important. Par ici, on peut faire « Ah, ça va ressembler à ça ». Les gens peuvent mettre leur adresse courriel aussi. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire. Et on peut faire « Envoyer quand tu as fini ». Alors, moi, j'ai décidé que c'était difficile, mais peut-être. Ici, je suis peut-être, non, autre, parce que le français est important au Québec. Point. Par exemple, ça pourrait être ici. Ben, peut-être. Alors là, on fait envoyer. Vous voyez, c'est un exemple. Là, je vais juste le fermer. Là, on va aller voir la réponse. Ah, regardons. Et là, j'ai répondu. Ça donne la culture québécoise. Fait que là, vous pouvez voir 100% parce que c'est une réponse. Là, vous voyez le diagramme pour chacune d'eux. Alors, si on avance les paramètres. Alors, là, j'ai réalisé que quand on commence au début, moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose d'important. Alors, on va pouvoir rajouter les heures. Mais je veux ajouter la date, en fait. OK. On aura la date de la personne, puis la question serait, admettons, le courriel de la personne. Puis ici, on pourrait... Il va être obligatoire, puis on pourrait inclure et la description que la personne pourrait écrire. Là, on pourrait dépliquer, comme vous venez de voir, ne pas oublier. Et on pourrait faire des un shell linéaire. Alors, on aurait des chiffres. On enlève ça. On pourrait dire combien croyez-vous dans le quartier? P-A-C. Dans le quartier aurait de personnes syriennes. Fait que là, vous allez mettre qui parle français, par exemple. Espace. Qui parle français que vous connaissez. Ou peut-être pas syrien, mais combien de personnes immigrants. Immigrants qui parlent français que vous connaissez. Par exemple, alors là, vous allez pouvoir créer votre formulaire. OK, c'est comme ça qu'il faut écrire le mot. On peut mettre des sections. Fait que section 1, section 2. Ici, j'ai une autre section, vous voyez. Là, vous pouvez continuer à modifier. On peut mettre des photos. Vous pouvez écrire... bon, lui, ça va à la poubelle. On peut tout faire et on peut tout modifier. Ici, dans les réponses... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Ici, vous pouvez collecter les emails, envoyer aux participants leurs réponses. Vous pouvez le faire sur demande. Tiens, les gens qui ont le goût de les avoir. Après ça, vous pouvez autoriser la modification des réponses, admettons, si les gens ou pas du tout. Limiter à une réponse, vous pouvez le faire. On va aller voir ce que ça fait quand on demande les courriels. Vous voyez, ici, c'est déjà écrit « email ». Ah, OK. Fait que si c'est écrit « email », ici, on peut l'enlever. Fait que là, vous pouvez écrire, admettons, la date auquel vous êtes venu. Venu pour remplir le formulaire. Point. Alors, je vais vous laisser là-dessus, mais peut-être que je pense que je vais la faire jusqu'au bout, ça va vous aider. Fait que vous pouvez cliquer ici « Envoyer ». Nous avons le email ici. Après ça, nous avons le lien que vous pouvez cliquer ici. Ça va tout de suite le ratisser comme vous voyez. Puis ça, c'est le long lien. Vous pouvez faire « Copier ». Nous avons aussi des codes spéciaux. Et on a aussi des réseaux sociaux que vous pouvez utiliser. Vous écrivez « Inclure », »,« Ajouter des collaborateurs ». Alors, vous choisissez les gens. Et puis, moi, pour l'instant, j'ai fini. Alors, nous allons le mettre pour regarder à quoi que ça va ressembler. Et vous allez pouvoir faire suivant. Maintenant, je vais mettre... Tenez, j'ai mis cette personne-là. Ici, vous allez pouvoir mettre... Maintenant, 2020... À 22h40. Le jour, ça serait le 22. Le mois, ça serait le 3. 10. Et là, vous voyez, ça marche. Vous allez pouvoir tout simplement cliquer. Là, on va dire 2. On va dire peut-être. Ah, on peut pas. Fait que c'est un choix multiple. Mais ici, comme vous pouvez, on peut sélectionner plusieurs. Et là, tu peux dire « Envoyez-moi une réponse. » Et puis, c'est fini. Alors, sur ça, je vous laisse passer une excellente journée. Et n'oubliez pas de partager ma chaîne sur Sabi22.